un entraîneur qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire. Ah! Il est Gervinho! Gervinho! Oh, Gervinho! Yeah! Balle au pied des gens qui veulent aller, des gens! Bon, c'est chaud pour les Ivoiriens, c'est chaud pour les Ivoiriens. C'est pour cela que je fais cette vidéo, les gars. Aujourd'hui, je partage avec vous les réactions sur la, après la défaite contre le Nigeria. Après la défaite contre le Nigeria, c'est gâté partout. Je vous laisse avec les réactions. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, puisque c'est ouf, quoi. C'est ouf. Allons surtout pour des prochaines vidéos. Alors, bye, je vous aime. Le Nigeria qu'on a vu là, il ne peut pas, il ne moins pas Côte d'Ivoire. Quoi, Nigeria, garçon, Nigeria fait quoi? Le Nigeria qu'on vient de voir là, il ne peut pas battre la Côte d'Ivoire. Le Nigeria qu'on vient de voir là, ils ne nous font pas peur. Disons-nous cette vérité. Soyons vrais et soyons francs. Ce Nigeria que je viens de voir là, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas nous battre. Notre seul problème, c'est qu'on n'a pas des chances qu'ils veulent forcer. Mais ils nous font faire. Mais ça. Ça. Gervinho, Gervinho, yeah, balle au pied des gens qui veulent aller, des gens qui n'hésitent pas. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire rentrer le mangeur de lion? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Ce n'est pas un match amical, mes frères, c'est Coupe d'Afrique. On doit faire zéro défaite, même zéro nul, victoire sur victoire pour imposer le respect. Bon, les Ivoiriens, si le Nigeria vous a tapé 1-0 et que la Guinée a fait 1-1 avec le Nigeria, mathématiquement parlant, pour ceux si vous savez calculer, pour ceux qui sont à l'école, ça veut dire que la Guinée doit vous taper 2-1. Faites attention. On veut vous voir en finale. On veut vous voir en finale. Oh. S'il vous plaît. Didier, faut rentrer, va continuer, rentrer, va continuer, on a besoin de vous, là où tu es. Petit amusement là, regarde où tu es monté. Faut descendre. Les Nigériens là même, ils ont quoi même? Petit match aujourd'hui, on joue entre nous là, vous êtes déjà sur notre stade, vous êtes en haut, vous avez déjà placé les roues. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo où ils sont en train de faire incantation. Mais ils oublient que nous aussi, on a notre tanti Fifi. Je vous mets la vidéo, regardez. Bravo, merci Tanti Fifi, c'est bouclé. Match d'aujourd'hui là, si on a rien mis, c'est 2-0. Il y a un moment. Un entraîneur qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire. C'est à lui qu'on confie le destin de notre Coupe d'Afrique. On aurait pu aller manager José Mourinho. Drogba aurait pu aller prendre José Mourinho pour dire pour la CAN seulement. José, on veut que tu sois au moins notre expert, notre consultant, pardon, viens nous aider.
on aurait pu aller prendre José Mourinho pour dire vraiment, on va mettre pendant 2 ans, on va regarder dans le monde entier qui sont les meilleurs. On s'en fout de leurs états d'âme. Mais qui sont les meilleurs? Conan, c'est parce que Zaha dit non. Quand lui mange, il y a trop d'huile. Lui n'aime pas trop d'huile. Zaha dit non. Lui veut dormir seul dans sa chambre, mais c'est normal. Si Zaha veut regarder son film porno, c'est normal qu'il soit seul dans sa chambre. Qui vous a dit que Zaha vient faire amitié en équipe nationale? Qui veut dire Zaha vient faire amitié en équipe nationale? Il est seul dans sa chambre, il est seul dans sa chambre. C'est pas bon, hein? Que Dieu maudit cet entraîneur-là. Il est maudit. Il est maudit. Moi, il dit il est maudit. Et à tout le peuple, comment il peut faire pleurer tout un peuple? Tout un peuple, tout un pays pleure. Même les enfants pleurent. Il est méchant. Il est méchant, cet entraîneur, il est méchant. Quelqu'un qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire, sa bouche est penchée. Vous confiez votre destin à quelqu'un dont la bouche est penchée. Comment votre équipe sera droite? Entraîneur même, il est penché par le fruit de l'âge. On dit l'année de la jeunesse. On confie notre destin à un entraîneur qui est vieux. Année de la jeunesse. Même Kolo Touré allait venir, on allait se fâcher contre Kolo Touré, mais c'est notre fois, on allait se censer. Mais on s'en prend un ancien colon. Des gens qui nous ont vendus comme esclaves pendant 400 ans. Un peu nous apporter quoi? Un ancien colon, on lui confie le destin de notre équipe nationale. Et quand tu parles non, arrête de révolter les gens. On doit arrêter Makosso pour incitation à la révolte. C'est à ta maman à incitation, ton papa à incitation. Famille, actuellement, où je vous parle, l'heure est grave. Très, très grave. Voilà. Mon propre frère ivoirien sont en train de parier contre la défaite de la Côte d'Ivoire. Je suis d'un groupe privé dont je ne dirai pas le nom. Oui. Tu t'inscris, tu intègres le groupe. Et voilà. Les paris sont lancés. Mais j'ai quitté le groupe. Parce que j'ai vu que la plupart de tous les Ivoiriens n'ont pas parié contre le Nigeria, ils ont parié contre la Côte d'Ivoire. Et lui-même, le responsable, m'a envoyé la pronostic pour dire que la Côte d'Ivoire va perdre. Bon, eux tous, les Ivoiriens, ils n'ont pas dit, ah, nous, on n'est pas d'accord. Hein. Mais eux tous ont validé. Ils ont parié les 200 000, les 300 000, les 500 000, les 25 000 fois, les 10 000, les 15 000 fois. J'ai préféré quitter le groupe pour ne pas être mal poli. Vous voyez ça? On est Ivoirien du visage, de l'apparence, mais dans le cœur. On n'est pas tous ivoiriens. Mais maudit à toutes ces personnes-là. Tous ceux qui construisent contre la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont parlé pour la défaite de la Côte d'Ivoire. Vous maudit à matin, midi, soir, au coucher, au lever, quand vous mangez, quand vous buvez, depuis votre position. Vous maudit à matin, midi, soir. Si vous êtes fâchés là, trouvez-moi à la stupe, c'est juste un pauvre. C'est des lilleux. C'est que sorcellerie ça. Moi, gagnant prix. Votre argent là, va tomber dans l'eau. Capot. Mais on mourra, vous n'y pas voir. Voilà. Vous allez perdre vos paris. Voilà, il n'y en a qu'à dire.